Bonjour les amis. Bon, bah aujourd'hui, une petite ingéniosité encore de chez LG. Hein. Bon, dans les aventures des conneries, j'en loupe pas une. Bon, aujourd'hui, allez, je vais vous présenter un petit module. Hein. C'est un afficheur à 10 barres LED qui est ici. Tout simplement. Et ce petit système se fait piloter en dessous par une autre carte électronique, par un petit circuit intégré. C'est le petit LM3914N, hein, tout simple, tout bête. C'est un gradeur, en fin de compte, gradable, dégradable, sur 10 paliers. Bon, ça, je vais vous expliquer après dans un petit cours d'application. Là, le principe, c'est un principe basique, simple à effectuer. Ça sera faire une progression de LED, fur et à mesure, avec un pilotage d'un potentiomètre qui se trouve ici. Voilà. Allez, je vais vous faire voir ça, tranquille. Voilà, ça fait un petit zoom, un petit contraste. Au fur et à mesure que je tourne mon potentiomètre, je monte des barres, des barres, des barres, des barres, des barres, sur 10 niveaux, grâce au petit potentiomètre qui se trouve ici, là. Évidemment, le système marche en 9 volts. 9 et 12 volts, pas plus, hein. Sinon vous faites cramer tout. En dessous de 9 volts, ça merdouille. Donc, moi j'ai trouvé le bon compromis pour pas avoir des scintillements sur mes LED et pour avoir une progression nette sur un bar graphe. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est un petit gadget simple et ça peut ouvrir d'autres ouvertures à d'autres applications. Pour d'autres utilisations grâce au petit circuit intégré qui est derrière cette petite plaquette. Allez, sans transhumance, je vous explique. Ceci, vous, hein. Bon, je te reprends. Tu sais le module que je t'ai montré tout à l'heure, maintenant, on va le décortiquer et je vais te le présenter. Là, comme tu vois en façade ici, tu as le module barre LED. Il y en a 10 dessus. Moi, je l'ai fabriqué de cette manière en mode embrochable. Ici, tu vois, c'est une broche qui vient s'embrocher ensuite sur un autre module. Comme tu vois, sur l'autre module, il est un peu plus compliqué. Tu as le brochage qui est ici. Là, tu as un circuit intégré, hein, que je vais t'apprendre. Comment il fonctionne? C'est un LM3914N. Tu peux l'acheter sous la manufacture Texas Instruments, par exemple, hein, qui coûte un peu cher. Lui, si tu l'achètes en Texas, il est à 2 euros. Sinon, tu achètes la petite copie Made in China qui fonctionne correctement. Mais je trouve que c'est un peu moins performant sur les tensions électriques, par contre. Il est un peu plus faible là. Tandis que le Texas, il marche très bien entre 5 et 15 volts. Lui, j'ai remarqué qu'il lui fallait quand même une tension de 9 volts. Et il était quand même relativement stable jusqu'à 12 volts. Donc, les paliers de tension sont un peu plus justes. Voilà. Voilà, c'est un petit circuit intégré, comme ça. Hein. Là, je te le montre. C'est un 18 pattes. Hein. Et les simples, toujours, on sait très bien qu'en circuit intégré, ils sont toujours un sens d'orientation avec un ergotage ici. Et après, je vais t'expliquer sur le schéma ces polarisations en fonction de ces pattes. Voilà. C'est un tout petit truc comme ça. La copie chinoise, je vais te dire, il coûte 0,90 centimes l'unité. Hors frais de port et d'importation de taxes. Eh oui. N'oublions pas qu'on paye des taxes aussi maintenant, depuis le 21 juillet 2021. C'est ballot, c'est comme ça l'Europe. Voilà. Ça, c'est un petit circuit intégré qui passe un peu partout. On peut faire plusieurs applications avec. Il n'y a pas que ce système, comme tu vois ici, en barre LED que j'ai fait. Hein. Donc, le module barre LED soudé sur une plaquette, hein, PCB. Voilà. Regarde bien.
Évidemment, c'est manufacturé AG Motorsport Racing Engineering. Donc, c'est ça. Ici, de chaque côté, tu verras, elle a des résistances. Hein. Ça, c'est pour abaisser les tensions, pour pas que tes petites LED claquent. Voilà. Mais je vais t'expliquer. Ici, c'est pareil, idem. Hein. Avec son bornage de connexion, hein, son alimentation, et les sorties des applications pour le circuit intégré. Ici, j'ai mis, hop, viens par là, mon petit Lulu, une petite LED de protection. Hein, une petite LED de choquer. Là, c'est une interconnexion, sinon je pouvais passer en mode intégral, mais comme je voulais faire un mode de porte sélectif, tout simplement. Ici, on a un petit interrupteur DIL pour passer en mode barcraft ou en mode barbare. Voilà. Ça, c'est l'option plus du circuit intégré. La variante des deux. Bon, maintenant, on va passer au schéma électronique qui est relativement simple. Hein. Tu verras, tu ne vas pas t'y perdre. Bon, le principe de fonctionnement, comme je t'ai expliqué, c'est de nous faire allumer 10 LED. Bon, allez, on va faire un barcraft avec 10 LED électroluminescence, hein, tout simplement. Hein, on a le temps, on fait un petit gris-gris, un petit gribouillis. Hein. Voilà, ça va mettre un certain temps. Hein, si tu es patient, t'attendras, comme tout le monde. Hein. Ouais, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Ok. Bon, moi je fais ça un peu au dessin à l'arrache. Hein, faut savoir qu'une LED, c'est comme une diode. Tu as une anode et une cathode. Tout simple. Comment on repère une anode et une cathode sur un barographe? Ah, très bonne question. Bah, le truc, c'est ici. C'est les inscriptions qui sont ici. Tu vois? Et quand tu vois les inscriptions sur un des côtés comparé à l'autre côté, ça veut dire que là, c'est l'anode. Et l'autre côté où tu n'as rien, c'est la cathode. En fin de compte, c'est un plus et un moins. Donc, le plus et le moins. Tu rentres toujours par un plus et tu sors toujours par un moins. C'est comme ça, sur une LED. Là, comme tu vois, j'ai mis des résistances. Là, les résistances, la valeur, comme moi, sur mon prototypage, mes tensions vont de 9 à 12 volts. J'ai préféré quand même jouer un peu à la sécurité pour mon bar graft. Pour pas griller une des LED, que, en sachant que une des LED, il lui faut une tension de 2 volts et une intensité de 20 milliampères. Ça, c'est clair. Bah, pour ça, j'ai mis avant, donc au niveau de l'anode, des résistances, 10 petites résistances, hein, de 1,5 kΩ. J'aurais pu utiliser des 1/4 watt, mais comme moi j'en ai à la maison des demi-watts, bah j'ai fait mon PCB en sorte pour supporter des résistances avec un gabarit de 1/2 watt. Voilà, simple. Autrement, tu peux utiliser du 1/4 watt. Hein. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, j'en ai mis 10. Donc, 5 de chaque côté. Pour réduire un petit peu l'encombrement sur la plaquette. Voilà. Et celles-là, l'alimentation, sont communes. Tu vois? Elles sont toutes communes. Au-dessus, j'ingère une certaine tension qui sera de l'ordre de 9, comme je t'ai dit, de 9 à 12 volts. Hein. C'est un courant VCC, donc un courant continu. Et c'est une polarité plus. Voilà.
Ici, comme tu vois, ici, c'est un système de broche. Hein? Ici. Et ici. Donc, broche rentrante. Et après, j'ai des broches sortantes aussi pour ma cathode. Voilà. Et ce module-là vient s'embrocher sur mon autre module qui est ici, tu vois. Ici, en interconnexion. Hein? Bon. Comme je te dis, j'utilise des résistances de 1,5 kΩ, des LED qui font, le bas graphe, c'est 2 volts, 20 mA. Voilà. Et ensuite, ici, sur l'autre module qui est un peu plus complexe, que il reçoit le fameux LM3914N, ici. Et lui, c'est un système de décade. La technologie, c'est une technologie, comment dire, type TTL. Voilà. Et que tu verras, dans ce système, il y a des ports. Sur les ports, c'est simple. Il y a des interconnexions sur mon bar LED. Bah, il y a des portes. Je vais pas sortir son datasheet, ça, dire cette porte c'est cette porte c'est cette porte. Non. Moi, je les connais. Donc là, je vais te simplifier la tâche. Hein. Il y a facilement en porte une déjà une sortie. Ensuite, c'est la porte 18. La 17, la 16, la 15, 14, 13, 12, 11, 10. Voilà. Et chaque porte correspond à une LED, à une logique de LED. Sachant que la sortie 1 correspond à la première LED de ton bar graphe. Et bizarrement, ensuite, c'est la 18 qui correspond à la seconde. La 17 à la troisième, la 16 à la quatrième, 15, 5, 14, 6. 13, 7, 12, 8, 11, 9, 10, 10. Ah, c'est un peu spécial. Eh oui, c'est cette logique-là de sortie. Là, ensuite, évidemment, ça appartient à ton fameux LM. LM 3914N. Que celui-ci, il faut peut-être se dire qu'il se fait aussi alimenter par une alimentation. Comme je t'ai dit, l'alimentation, elle est variante entre 9 et 12 volts. Ben, c'est simple. Pour lui faire entrer et pour qu'il fonctionne, c'est la broche 3 en positif que elle, j'ai mis une diode de protection, hein, la petite diode, la fameuse AN4148 que tout le monde connaît, qui supporte maximum 50 volts et combien de milliampères? Je te dirai pas, t'as qu'à regarder sa doc. Elle a se fait alimenter évidemment par mon VCC en positif. Évidemment, la sortie est en 2, que là, on le met sur le ground, le GND, on fait compte sur le mois, à la sortie. Tu suis? Tu es déjà perdu. Bon, je le sais. Mais on va continuer. Et là, pour faire notre système de mode gradable, il y a des portes. Ici, là, il y a d'autres portes.
Et on sait très bien que chaque porte a un nom. Par exemple, la porte numéro 4. Ici, la 4 porte le nom RLO. La 5, qui est ici, elle apporte le nom SIG, SIG. Ensuite, on a la porte 6, c'est le RHI. On a la porte 7 qui s'appelle le VR. La porte 8, c'est le Adjust, ADJ. Hein. Et le 9, c'est le fameux MDE. Là, c'est un mode simple. Vous voyez, c'est en bar graph. Et on peut utiliser aussi ce système comme un vue-mètre pour l'audio. Hein, tout simplement. Tandis que là, je vous ai montré l'exemple avec un potentiomètre. Hein. Chaque fois qu'on agissait sur le potentiomètre, un potentiomètre, c'est comme une résistance variable, hein, où on varie sa résistivité. Bon, là, dans notre système, on va faire des interconnexions, hein, de patte à patte. Là, on sait très bien que la patte 2, c'est notre moi. On va faire une extension de la patte 2 à la patte 4. On va les réunir ensemble. Ensuite, de la patte 4, on va intercaler une résistance. Simple. Et cette résistance va être intercalée entre la patte 4 et la patte 8 de notre montage. Et la valeur de cette résistance est de 10 kilo-ohms, si vous voulez savoir. Voilà. 10 kilo-ohms. Sa tolérance, bon, moi j'ai, comme je vous ai dit, la résistance 1,5 watt, j'ai mis une de 1,5 watt dans mon montage. Voilà. Celle-là, ensuite, va être intercalée encore sur une autre résistance qui va être entre la patte 7 et à l'interconnexion de la patte 8. Et là, cette valeur de résistance est de 1 kilo ohm. Voilà. Là, dans le montage, eux, ils préconisent aussi de faire un pontage, un switch entre la patte 7 et la patte 6. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Bah, nous avons la patte 5, ici, qui sera prise sur une résistance variable. Là. Que la résistance variable, on va la mettre entre le positif et le gramme en interconnexion sur les pattes 2 et 4. Cette valeur de résistance ajustable a peut-être variante. Moi, j'ai fait des tests de 1 kg jusqu'à 2 mégaohms, ça marchait très bien. J'ai pas eu de soucis. Donc, on va mettre ça en mode générique, hein, par exemple, une 10 kΩ, quoi. Une 10 kΩ en résistance variable ou potentiomètre variable. Voilà, simple. Là, c'est bien beau, mais comme je vous ai fait voir, j'étais en mode bar graph. Bah, pour faire un mode bar graph, autrement, c'est monter LED par LED. Ça veut dire la LED 1 va s'allumer, la LED 2 va s'allumer, tandis que la LED 1 va s'éteindre. Quand je vais monter sur le potentiomètre, là, j'aurai une LED 3
3, et tandis que les deux autres, la 2, la 1, va être coupée. Tandis que là, vous avez très bien vu que chaque fois que je montais et que je descendais, et les LED précédentes étaient toujours allumées. Voilà, il y a une astuce que nous allons intercaler ensuite sous la diode 1N4148 qui sert pour l'alimentation de notre circuit intégré, bah, un interrupteur qui nous fait passer en mode par craft à terre et que lui, on va chercher l'alimentation en dessous de la diode et ensuite à la sortie, on va aller sur la patte numéro 9 sur le MDE. Voilà mes amis. Là, plus simple que ça, on ne peut pas le faire. Hein? Regarde bien le plan. Moi, je ne pourrais pas faire mieux. Et c'est un système qui fonctionne correctement. Ça sert pour allumer tout bête, tout con, 10 LED. Mais ça peut aussi servir à d'autres applications dans le futur. Comment ça? Comment ça? Ben c'est simple, tu peux ouvrir aussi 10 portes logiques dans cette solution-là. Et là, mes amis, futurement, c'est un autre projet que je vous ferai voir. Allez, sur ce, je pense que je ne vous ai pas trop gavé pour une fois dans mon petit cours électronique. Allez, à plus, bisous.